Donc là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, donc du traitement de charpente. C'est-à-dire qu'on a fait toutes les phases préparatoires au traitement. Maintenant, on va commencer à parler du traitement. Pour ça, on va donc utiliser une mèche autoforeuse, d'accord? Et on va venir percer le bois. Donc, au départ, cette opération, on va la réitérer toutes les 30 cm en quinquennat. Le bois nous fait des surprises, et sur les zones de point d'ancrage, on va aller chercher le mur. Et on va faire deux trous pour faire une bonne ceinture chimique dans la partie sur laquelle on n'a pas accès, qui est dans la partie du mur. Voilà un petit peu toute la partie, donc des étapes préparatoires. Et donc ça, on va le faire sur l'ensemble des grosses pièces de bois, puisqu'effectivement, les chevrons étant d'une surface trop petite, d'une périmétrie qui est trop petite, on ne va pas les percer parce qu'on les affaiblirait. Le produit qu'on va être amené à utiliser est un gel auto-pénétrant. Donc sur ces bois-là, on va pouvoir arriver à un traitement à cœur. Sur ceci, ça serait un peu plus délicat. Ça, c'est l'opération à venir. On va mettre en place les injecteurs et on vous parlera un peu plus des injecteurs dans quelques secondes pour vous expliquer à quoi ça sert. Ça, c'est l'opération suivante. A tout de suite.